Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire « Comment l'IA bouscule les méthodes du marketing et de la communication ». Donc, ce webinaire commencera à 11h30 et il sera animé par nos deux oratrices, Gaëlle et Véronique. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve sur votre droite, en haut sur votre droite. Nous y répondrons en fin de webinaire. Le webinaire est enregistré, vous recevrez le replay dans quelques heures. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Surtout si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à contacter la hotline. Vous avez le numéro dans le chat qui est affiché. N'hésitez pas à les contacter, mais aussi n'hésitez pas dans la barre de son sous la vidéo. Des fois, le son est coupé d'office. Donc, n'hésitez pas à exposer. Ah, oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je pense que ça va être beaucoup mieux maintenant. Parfait. Merci pour votre retour dans le chat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et pas santé à vos débuts webinaire, nous vous proposons trois chiffres à compter en réfléchissant. Donc avant de démarrer ces trois chiffres, à vous d'imaginer ces trois chiffres. Vous pouvez noter vos hypothèses dans le chat et nous reviendrons sur toutes ces données pendant le webinaire. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans notre webinaire qui va commencer à 11h30. Donc, ces quelques chiffres, je rappelle, ces quelques chiffres pour vous faire patienter en réfléchissant. Donc, nous reviendrons sur ces chiffres pendant le webinaire. N'hésitez pas à vous dire. Bonjour à tous. Donc, il est 11h30, le webinaire va commencer. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Webikeo, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve en haut sur votre droite. Et enfin, sachez que le webinaire est enregistré et que vous aurez accès au replay dans quelques heures. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire « Comment l'IA bouscule les métiers du marketing et de la communication ?» Je laisse la parole à nos deux intervenants, Gaëlle et Véronique. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Menin-Hurien, manager de l'offre marketing digital chez Segos. Bonjour à toutes et à tous, donc Véronique Souchet, manager de l'offre communication chez Segos.
Alors, comment l'IA bouscule-t-elle la communication et le marketing? Nous vous proposons le sommaire suivant, donc en y répondant en 3 points. Tout d'abord, nous explorons les pouvoirs infinis de l'intelligence artificielle générative et les risques associés. Puis nous aborderons les stratégies d'intégration de l'IA générative dans les métiers de la communication et du marketing. Et enfin, nous approfondirons le sujet des compétences pour développer sa valeur ajoutée. Et commençons tout de suite avec les pouvoirs infinis de l'IAG et ses risques. On va regarder ce que permet de faire l'IAG et pas que l'IAG, d'ailleurs l'IA de façon générale. Et on vous propose tout de suite un premier sondage. Un premier sondage et il va s'agir de répondre à la question suivante. Utilisez-vous déjà une IA générative dans votre quotidien de marketeur ou de communicant? Le sondage va s'afficher et vous allez pouvoir y répondre. On vous laisse quelques instants. Afficher les résultats. Voilà. Ok, alors ce qu'on voit apparaître à travers les réponses en sondage, c'est que vous êtes un petit quart à être encore en phase pré-IA, mais que vous êtes tout prêt à le faire. Il y a presque la moitié des personnes, et c'est un bon taux hein, qui a déjà fait quelques tests qui n'utilisent pas encore régulièrement. On a 27% qui utilisent déjà régulièrement une ou plusieurs IA et vous êtes 5% de early adopters qui ont déjà carrément intégré ça dans leur process interne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez en phase avec ce que l'on remarque sur le marché. Et très concrètement, les fonctions marketing et communication, qu'utilisait d'ailleurs l'IA bien avant la révolution IAG, ne s'y sont pas trompées. En effet, selon une étude HubSpot, en janvier 2024, elles étaient déjà 35% à déclarer recourir à l'IA et l'automatisation de façon régulière. On est assez en phase avec les résultats du sondage dans le cadre de leur rose. Et on le comprend bien parce que ce que nous apprend cette même étude HubSpot, et ça va être notre premier chiffre dans les 3 chiffres que vous avez mis au départ pour réfléchir, c'est que l'IA pourrait faire gagner l'équivalent de 12 heures et demie par semaine, ce qui représente, et c'est globalement et c'est potentiellement énorme, 25 à 26 journées de travail gagnées chaque année. Et donc, plus concrètement, pour refaire le lien avec notre chiffre du démarrage, un potentiel d'économie de 2 heures et demie par jour. Alors, on va s'intéresser maintenant justement à ce que permet de faire l'IA. Et juste avant ça, on va respécifier ce qu'on appelle l'IA. On parle de l'IAG, mais on ne parle pas que de l'IAG, puisqu'il y a finalement aujourd'hui un panel assez large d'outils qui peuvent être à votre disposition. On a bien évidemment les IA génératives génériques. On pense tout de suite à ChatGPT. On pourrait citer également Copilot, Gemini. On pourrait citer You, Perplexity. On a des IA plus spécialisées, et pour parler d'IA spécialisées au service des fonctions marketing et communication, on peut citer Julius pour l'analyse de données, on peut citer Talkwalker pour le social listening. On a des outils d'IA qui sont intégrés à des outils préexistants et génériques de marketing. Le plus connu, bien évidemment, c'est Canva, qui aujourd'hui est particulièrement dopé à l'IA, et puis un autre outil pour illustrer, c'est MailChimp qui aujourd'hui intègre de l'automatisation dans ses fonctionnalités.
Troisième catégorie, on a les IA développées par une organisation et là qui sont généralement plutôt à l'usage des équipes internes. Un exemple concret, c'est celui d'AXA qui a développé son propre GPT afin que les collaborateurs n'aillent pas sur le web ouvert. Et la dernière catégorie qu'on a mis à droite de cette slide, c'est une catégorie qu'on a envie de partager avec vous parce que ça émerge aujourd'hui. Et autant les premières catégories sur la gauche sont vraiment destinées à accompagner vous, les professionnels, dans votre démarche, que ce soit par du brainstorming, de la formulation, de la connaissance de la cible. Autant celles de droite, là, on parle d'IA qui sont développées par les organisations au service de l'offre et concrètement au service du business et du client. Un exemple, c'est celui du Financial Times, qui a développé un bot réservé aux abonnés du Financial Times. Et dans ce bot, ils ont en base d'entraînement tous les articles jamais publiés par le journal. Vous imaginez la taille de la base. Et ça, c'est vraiment dédié aux abonnés. Donc là, on voit un exemple d'IA dont on pourrait s'inspirer dans le futur, qui a vraiment pour objectif non pas d'améliorer l'efficacité d'un professionnel, mais de développer un avantage concurrentiel. Alors, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe plus spécifiquement au service du process communication. Je laisse la parole à Véronique. Merci beaucoup, Gaëlle. Et comme tu l'as indiqué, l'IA n'est pas nouvelle, c'est l'IA générative qui l'est. Et concrètement, aujourd'hui, tous les métiers de la communication, donc privés et publics, sont concernés par les nouveaux usages. Ils le sont tous sur tous leurs process, donc de la stratégie au déploiement opérationnel et à la mesure d'impact. Donc, ce qu'il en découle, c'est que la veille stratégique et analytique est augmentée avec une écoute plus fine du marché. Les audits internes, le social listening et puis la détection des crises sont plus poussés, soit avec des outils boostés à l'IA, soit avec des outils d'IA. L'IA favorise également l'idéation, l'inspiration pour la création de concepts, de rushs, de storytelling de marque, de lignes éditoriales, donner également un insight. Et puis, il y a bien sûr cette forte démocratisation de génération de contenu avec la création de textes, donc articles, synthèses de documents, de vidéos, newsletters, communiqués de presse, posts pour les médias sociaux, storyboards, d'images fixes ou animées, de vidéos ou d'audio. Et on arrive en fait à une hyper-personnalisation également avec l'analyse des sentiments et une plus grande productivité avec la planification, l'automatisation, la gestion de projet. Et puis, on peut aussi voir le développement d'assistance et de chatbots, notamment pour favoriser les interactions avec les clients internes et externes, mais aussi beaucoup en com public pour les usagers et les citoyens, sans oublier aussi l'analyse et la mesure en fait des data. Donc, s'il y avait en fait 5 impacts forts à retenir pour les métiers de la communication, c'est vraiment la création de contenu hyper personnalisé avec la possibilité d'automatisation, l'expérience client augmentée pour toutes les parties prenantes, des impacts bien sûr sur l'organisation de l'équipe, au sein de la direction de la com, mais aussi au sein de l'entreprise ou de l'organisation, un impact sur les compétences et puis la question de la collaboration avec les agences et la perception de la création de valeur. Et pour poursuivre en fait sur ce sujet, je vous ai proposé sur le slide suivant quelques exemples d'exemples en communication. Alors voilà, nous allons vous partager le slide suivant. En fait, vous pourrez le voir. Et ces cas d'usage, en fait, vous pourrez les retrouver sur le document qui est téléchargeable en fait sur le site de Webikeo. Donc en événementiel, cela pourrait être la rédaction de la landing page, par exemple. En com interne, recueillir des opinions de collaborateurs, analyser leurs sentiments, notamment avec Oracle ME ou Picon ou Qualtrics employee, ou proposer également en 8 langues les vœux filmés de votre direction générale sur Edgin ou d'autres IA. En RP, par exemple, c'est aussi créer du contenu, donc infographie, vidéo, sur les communiqués de presse. Le paysage des médias, d'ailleurs, est fortement touché et bousculé par l'IA générative, tant du point de vue des groupes de presse que des journalistes et des communicants. Des journaux comme Le Figaro, Le Parisien créent des chartes d'utilisation. Et puis, on a vu aussi récemment, il y a quelques semaines, Le Monde qui passait un accord justement avec OpenAI.
Et en marketing, Gaëlle, justement, qu'en est-il ? Alors, en marketing, on peut s'intéresser de la même façon au cas d'usage dans le process. Ça démarre du côté de l'écoute marché, où on peut travailler sur l'amélioration de la collecte et de l'interprétation des données. On pourrait citer Brandwatch, Talkwalker, Synthesio, par exemple. L'aide à la segmentation de marché dans l'élaboration de la stratégie. Au niveau du SEO et du SEA, on a déjà bien évidemment l'analyse concurrentielle qui est déjà dopée à l'IA, mais on a aujourd'hui des outils qui arrivent et qui vont nous permettre de rédiger des textes optimisés pour le référencement naturel, Jasper, Yoast par exemple, et puis pour le SEA, les régies publicitaires qui sont de plus en plus boostées à l'IA. Sur la création de contenu, il y a pléthore d'utilisations, que ce soit pour créer de l'image, de la vidéo, de l'audio, tu en as parlé, pour créer des infographies et aussi pour créer ses propres calendriers éditoriaux. Et puis, sur l'expérience client, c'est le grand retour en force des agents conversationnels, les fameux chatbots, qui soient à l'interne, on l'a vu, ou destinés aux clients. Et puis, tout ce qui va permettre de mieux analyser le bruit et les sentiments. Là, on pense typiquement à Rivaliq, qui permet de faire l'analyse social media. Pour compléter, quelques exemples concrets, à la fois en interne et en externe. McAfee, le géant de la cybersécurité, qui a mis en place un outil d'IA conversationnel à destination de ses clients. Ce qui est utile à voir, c'est que à la fois, ça permet d'améliorer le care avec le taux d'auto-résolution des problèmes, mais d'augmenter aussi la satisfaction client final. Des exemples autour de la communication externe, quelques exemples avec Veolia et une campagne autour de la nécessité de préserver l'eau, la campagne sur la ville de Saint-Étienne autour de la nature. Vous avez certainement vu aussi la campagne de Becherel, une image vaut mieux que mille mots. Il y en a d'autres encore qui existent, ce ne sont que quelques exemples. Et puis, un autre exemple d'outil interne qui avait été présenté par Michelin lors du salon récent All for Customer, ce qu'ils ont appelé l'Inside Bar, qui permet aux marketeurs de pouvoir utiliser l'ensemble des études marketing qui sont disponibles sur Michelin, sur son marché, sur la concurrence, comme un outil interne, comme un chatbot. Il y a un dernier point concernant les potentiels de l'IA, et c'est quelque chose sur lequel vous êtes certainement dans les 5% tout à l'heure de notre sondage, vous êtes certainement pensé sur cette question, c'est celle de l'automatisation. Alors, il y a clairement des bénéfices réels avec l'automatisation et ce que permet l'IA, que ce soit sur la gestion des leads, la consolidation de bases de données, les envois d'emails personnalisés, la création de landing page. En revanche, nous, on perçoit un vrai risque à imaginer qu'on va pouvoir passer en automatisation poussée des contenus sur l'ensemble des réseaux et sur le web. Pourquoi ? Alors, il y a ce chiffre qu'on a envie de partager sur une étude récente qui a été faite sur 1,5 million de posts sur LinkedIn. Et sur les posts qui avaient été générés intégralement avec l'IA sans aucune retouche, l'étude a montré qu'on avait 60% de clics en moins. Ce chiffre n'est pas très étonnant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que plus le contenu va être dépersonnalisé, moins il va être lu et cliqué. On sait aussi que Google ne va pas favoriser ce genre de contenu s'il ne les reconnaît pas comme suffisamment qualitatifs. On sait également que c'est un risque de perte de personnalisation, ce qui serait vraiment dommage au regard du potentiel de personnalisation qu'offre l'IA. Et puis, le risque d'erreur est loin d'être nul, tout comme celui de devenir finalement dépendant à l'automatisation. En synthèse, et versus cette question de l'automatisation, l'IA, elle est au service des équipes et elle ne doit surtout pas les remplacer. Alors, Véronique. Oui, tout à fait. Donc...
propose ici quelques outils gratuits, freemium ou payants que nos formateurs et formatrices testent lors de nos stages. Donc, il s'agit d'outils soit pour le texte, les images, la vidéo, l'audio, la veille, les moteurs de recherche, parce qu'il y a même des moteurs de recherche augmentés aujourd'hui, le social listening, la productivité. Et sachez en fait qu'il existe un site qui s'appelle There is an AI for that. Pour trouver, nous vous avons mis le lien, pour trouver justement votre pépite parmi près de 12 294 outils qui utilisent l'IA et plus de 15 000 usages. Donc là, vous aurez reconnu le deuxième chiffre que nous vous partageons aujourd'hui. On voit tout ce potentiel, toute cette effervescence en fait autour des outils, et encore ce n'est qu'un début. Et justement, pour aller plus loin dans la suite, nous vous proposons un second sondage. Comment estimez-vous le temps gagné? Alors, pour celles et ceux qui l'utilisent déjà, donc je vous laisse y répondre. Alors, pour l'instant, vous êtes 29% à indiquer « pour l'instant, je perds plus de temps que j'en en gagne ». 35% « légèrement amélioré, je gagne quelques minutes dans mes tâches ». Et 21% « modérément amélioré, l'utilisation de l'IA me permet de gagner entre 1 à 2 heures par semaine ». Et vous êtes 15% à indiquer que vous gagnez 1 à 2 heures par jour. Ce sont des résultats très intéressants. Et justement, Gaëlle, quels sont les bénéfices et qu'est-ce qu'on peut gagner à utiliser l'IA? Ouais. Ce qui est aussi intéressant dans le sondage, c'est que vous êtes 15% à déjà estimer pouvoir gagner pas mal de temps, et c'est très en lien avec ce que l'on observe nous sur le fait que pour réussir à gagner du temps, il va falloir en investir au départ. Et ça fera lien avec ce qu'on évoquera tout à l'heure sur la nécessité de s'approprier l'IA. Alors. Quoi qu'il en soit, effectivement, selon une étude réalisée par Statista fin 2023, Statista US, dans les avantages, le premier qui ressort, c'est bien le gain de temps à 33%. C'est aussi intéressant de noter qu'en deuxième apparaît la question de la connaissance de la cible, et ça, même avant l'aide à l'optimisation du contenu. Si on fait un focus maintenant sur les utilisations plus spécifiques de l'IA générative, on retrouve bien sûr en première utilisation la création de contenu, mais nous, on est aussi interpellés sur le fait qu'on voit que l'aide à l'analyse et à l'apprentissage ressortent à quasi égalité dans les cas d'usage, et on constate que l'IA générative devient aujourd'hui une vraie alternative à l'utilisation des moteurs de recherche traditionnels. Et puis, on aime bien cette idée que pour un certain nombre de personnes, déjà plus de 20%, c'est un vrai assistant à la créativité. Bon, à ce stade, on peut se dire que l'IA, et notamment l'IAG, c'est une véritable baguette magique. Et on va voir qu'il y a malgré tout un certain nombre de points de vigilance, Véronique. Et les métiers de la communication et du marketing doivent exercer vraiment une vigilance accrue concernant l'intégration de l'IA en matière de confiance et de transparence vis-à-vis de leurs parties prenantes, de responsabilité sociétale et environnementale, et ça, ce sujet, on ne cessera de le répéter, et puis d'image. En effet, en fait, avant d'utiliser une intelligence artificielle générative, il est essentiel de s'arrêter sur ces 7 points fondamentaux. Le premier, le juridique, avec la question des droits d'auteur, droit à l'image, le plagiat, volontaire ou non. Pour l'instant, le cadre n'est pas encore complètement défini, même s'il y a l'IA Act qui se mettra en place d'ici 2025. En fait, en droit français, seule une personne physique peut avoir la qualité d'auteur, et une personne peut être contrefactrice en exploitant du contenu produit par l'IA.
Donc, il est vraiment nécessaire de vérifier et de retravailler la production fournie par l'IA générative avant toute publication officielle. Il existe aussi quelques outils de détection de plagiat, mais ils ne sont pas encore complètement fiables aujourd'hui. Bon, il y a également la question des biais. Vous savez, un biais, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. L'IA générative, elle se construit à partir d'algorithmes qui exploitent des données existantes. Et quand celles-ci contiennent des biais, bah, les résultats, justement, sont faussés. Je pense aux biais de représentation que vous avez dû tous et toutes voir, des dirigeants d'entreprises caucasiens, 45 ans, voilà, blonds. Donc, il est vraiment essentiel d'être attentif, et parce qu'on peut vraiment arriver à la perte de pluralisme culturel. Le troisième point, c'est l'infobésité, qui est liée à la surproduction et une dispersion des messages. Le quatrième, la sécurité des sources, des données personnelles ou confidentielles d'entreprise, bien sûr la RGPD. Le cinquième point également, l'éthique sur l'usage de l'IA, sa transparence, les chartes d'entreprise et d'organisation. Et puis, le sixième, c'est vraiment les deepfakes, les fake news. Une deepfake, en fait, c'est le détournement d'une image. Ça pose vraiment la question de la vérité. Et dans une récente étude réalisée par IFOP, 94% des Français interviewés estimaient qu'au moins une des photos testées était vraie, alors qu'en réalité, elles étaient toutes fausses. Donc, on voit vraiment que c'est un sujet de fond. Et puis, un autre point, la consommation énergétique sur laquelle nous nous attarderons tout à l'heure et qui a un point de vigilance énorme, car la recherche place vraiment l'empreinte carbone d'une seule requête d'IA générative 4 à 5 fois plus élevée qu'une simple requête de moteur de recherche. Donc, comme vous l'avez vu, l'IA n'est pas une baguette magique. Et à cet effet, Segos a créé une méthode pour converser plus efficacement avec les IA génératives. Nous vous la présentons ici. Nous l'avons appelée, alors bon, converser, nous sommes dans le même champ sémantique, donc nous l'avons appelée dialogue. Donc, cette méthode, elle a été conçue justement pour adopter les bons réflexes par rapport à l'ensemble des points de vigilance que nous venons de voir. Dialogue, donc c'est un acronyme. La lettre D, c'est définir un objectif et rédiger le premier prompt. Donc, je vous en parlerai sur le slide suivant. Et puis, sans surprise, après avoir défini et écrit son premier prompt, les résultats de la requête ne seront pas parfaits. Donc, il conviendra ensuite, donc la lettre I, d'interpréter les réponses et utiliser son esprit critique pour l'analyser et la cautionner. La lettre A, donc ajuster et approfondir la conversation, c'est-à-dire demander des compléments. La lettre L, c'est vraiment limiter les risques, tant en termes de biais, de lacunes, l'IA peut aussi halluciner, de RGPD, donc ça c'est vraiment à tout moment. Et le O, c'est optimiser la conversation, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire retravailler de nouveau l'IA, lui demander une autocritique, la questionner, es-tu sûr de l'exactitude de ta réponse? Et donc, c'est bien sûr challenger les résultats aussi avec d'autres outils pour voir les différentes réponses que vous aurez obtenues. Et enfin, la lettre G, c'est garder le contenu. L'objectif est-il atteint? Donc, si vous êtes satisfait ou satisfaite, le contenu vraiment devra être réécrit pour éviter le piège de la contrefaçon. Surtout, n'oubliez pas, c'est vous qui arbitrez, qui validez. Il est important d'utiliser l'IA vraiment comme un assistant. Et en fait, on se rend compte que collaborer aujourd'hui avec méthode et précision avec une IA générative, ça devient vraiment une compétence clé. Et je vous ai partagé sur le slide suivant un exemple en fait de prompt. Un prompt, en effet, doit contenir des éléments essentiels comme le rôle, le contexte, l'objectif, les tâches à exécuter, l'audience, la cible. Ce prompt, nous l'avons appelé RODEV, pour objectif, rôle, objectif, détail, exemple, validation. Vous en avez une illustration autour d'un cas pour la création d'un audit de com interne. Et pour aller plus loin, en fait, quand vous promptez, surtout utilisez des verbes d'action, des mots précis. Par exemple, si vous dites, vous écrivez « parle-moi de la publicité », l'IA vous donnera des réponses beaucoup trop vagues. Ou « dis-moi ce que tu penses », rappelez-vous que l'IA ne pense pas. Et justement, pour mettre en place les différentes stratégies d'intégration et d'IA dans les métiers de la com, là, nous vous partageons des résultats de récentes études aussi bien du secteur privé
que public. Donc, on voit en fait que les maturités d'adoption sont très différentes. Pour les TPE-PME, de 12 à 35%, c'est le baromètre, le curseur entre deux études, celle de BPI France, réalisée récemment, et celle également de Ostinger, de mars 2024, sur les entreprises françaises à l'heure de l'IA. En fait, ce qu'on peut noter, c'est que les entreprises n'ont pas encore... TPE-PME n'ont pas encore pris la révolution de l'IA. Les usages sont plutôt, on va dire, réservés aux fonctions support, veille, communication et marketing. En revanche, on voit 75% d'adoption ou 77% en fonction de l'étude sur les ETI et les grands groupes. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment une appropriation en cours avec soit des IA d'entreprise, soit des IA du marché. Il y a également le phénomène du shadow IA, c'est-à-dire c'est quand les salariés utilisent l'IA générative sans le dire à leur hiérarchie. Et ce phénomène toucherait un salarié sur deux. Et puis, bien sûr, le secteur public, où il y a vraiment la question de la souveraineté de l'IA, avec la mise en place d'une politique publique de la donnée, du développement de cas d'usage concrets qui sont porteurs d'avancées pour les agents publics et les citoyens, avec le Data Lab, l'Eta Lab, il y a également le rapport Villani 2018, le plan France 2030. Et en fait, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que l'intégration d'une IA et d'une IA générative au sein d'une entreprise, c'est vraiment une question de stratégie globale, d'investissement, de ressources, et le marketing et la com vont être amenés à collaborer avec les différents services, donc DSI, DRH, mais aussi direction de la RSE ou de la compliance. Tout à fait. Et finalement, si vous souhaitez plus intégrer plus largement l'IA dans vos process marketing et communication, eh ben, ne vous demandez pas ce que l'IA peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous avez envie de faire avec l'IA. On vous partage ici une démarche simple et structurée en 4 étapes clés pour intégrer l'IA dans vos process. La première étape, c'est finalement se poser la question de quoi avons-nous le plus besoin pour améliorer l'efficacité de notre travail. On pourrait aussi reformuler en parlant des pain points de votre process. Est-ce que vous avez besoin que l'IA vous aide à gagner du temps? On a pas mal parlé de temps. Est-ce que vous avez besoin que l'IA vous aide à gagner en qualité et en profondeur sur une partie des tâches et missions de votre fonction? Est-ce que vous avez besoin que l'IA vous aide à être plus créatif, à imaginer une nouvelle façon de faire? Et la réponse à ces questions doit vous permettre d'identifier 2 à 3 cas d'usage sur lesquels vous allez pouvoir passer rapidement à l'expérimentation. La notion de rapidité est importante. L'idée, c'est d'être en test and learn, d'échouer rapidement, mais surtout d'en reparler, de faire des retours d'expérience assez rapides et sur une boucle de quelques mois, de décider ce qui est gardé parmi les 2-3 cas d'usage, ça pourrait être zéro au demeurant, hein, et de repartir sur une autre boucle. Et en parallèle, se poser les questions, OK, on décide de bosser avec telle IA et avec quelles règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, ça peut être aussi bien des règles qui vous sont propres et qui sont internes, hein, comme par exemple, si c'est sur de la publication de contenu, on ne publie aucun contenu sans le retravailler, qui nous semble d'ailleurs une règle un peu obligatoire, vous l'aurez compris. Et puis, ça peut être aussi en termes de chartes vis-à-vis de vos interlocuteurs externes, clients, prestataires, quel que soit votre écosystème. Pour aller plus loin, il y a aussi la question du choix des outils. Et on vous propose quelques critères de sélection. Il y a bien évidemment celui du prix, hein, qu'est-ce à l'usage, est-ce que c'est sous forme de licence, est-ce que le prix est conditionné au nombre d'utilisateurs. Il y a les fonctionnalités qui sont offertes et est-ce qu'elles correspondent aux besoins des utilisateurs. Il y a la question de l'ergonomie aussi. Et nous, les constats qu'on fait avec nos formateurs, hein, c'est que tel outil peut très bien convenir à telle équipe et ne pas convenir à telle équipe en fonction de l'ergonomie et des besoins. Donc, c'est vraiment du test très personnel là-dessus et sur lequel il faut passer en mode expérimentation et partage. Pensez aussi aux évolutions possibles, notamment aux opportunités que vous aurez de pouvoir connecter à des API pour automatiser dans le futur.
Et pensez également aux limites d'utilisation, notamment si vous prenez des outils freemium. Notre constat, c'est qu'un outil freemium peut être à aujourd'hui avec une limite d'utilisation quotidienne à 10 et passer dans une semaine à une limite d'utilisation quotidienne à 3, comme beaucoup d'outils freemium hein, sur le marché. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance. Merci, merci Gaëlle. Donc tu as commencé justement à aborder le sujet de l'organisation de l'IA au sein des équipes. Et justement, en fait, pour les équipes, il y a vraiment des questions très légitimes qui se posent. Je dirais qu'il y a 5 craintes et défis à relever. Les inquiétudes sur l'avenir, tant en termes de posture, je me sens dévalorisée si j'utilise un outil ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur, que la crainte finalement de perdre son emploi. Mais on l'a vu, en fait, l'IA peut être plutôt un assistant. Il y a également le sujet de la surconnexion avec une surcharge cognitive, des connexions 24 heures sur 24. Un point aussi sur la sursollicitation des équipes marketing com qui vont être à qui on va demander de produire toujours plus de contenu et versus une plus grande autonomie des salariés aussi pour communiquer. Donc avec la question de la surproduction des messages et leur dispersion du sens. Et je voudrais vraiment insister sur la perte de l'ADN de la marque. C'est vraiment un risque et c'est vraiment important de s'y poser avec des contenus et des idées qui deviendraient standards. Vu ailleurs, donc perte de qualité, de sens. Donc c'est pour ça en fait les communicants et les marketeurs ont vraiment un rôle clé pour utiliser toute la valeur ajoutée, développer leur valeur ajoutée avec les outils d'IA et veiller sur ce point. Il y a aussi bien sûr la gestion de crise. Nous serons confrontés à une fréquence de crise beaucoup plus forte, autant externe qu'interne, gérer des deepfakes, usurpation d'identité, fausses vidéos. Et puis dans les 5 opportunités, donc un meilleur fonctionnement de l'équipe marketing com, dont a parlé Gaëlle tout à l'heure, promouvoir aussi une culture d'innovation, parce que l'équipe va devenir de plus en plus apprenante. Et je voudrais insister aussi beaucoup sur le renforcement de la posture de conseil. C'est vraiment se recentrer sur sa valeur ajouter, oser questionner la demande avec un rôle aussi de pédagogue et être garant de l'information. Donc, le garant de contenu fiable, accessible et utilisable. Et pour les communicants publics, je pense aussi au respect des valeurs publiques. Et puis, pour les communicants internes, c'est aussi participer à la conduite du changement au sein des organisations. Donc, acculturer, informer, rassurer l'ensemble des collaborateurs. Et puis, pourquoi pas aussi les usagers et puis les parties prenantes. Et il y a l'idée aussi, il commence à y avoir des premiers retours d'expérience et des learning expéditions qui montrent qu'aujourd'hui, des entreprises intègrent des réseaux d'ambassadeurs internes d'IA générative, comme elles l'ont fait finalement pour la RSE. Et ça nous amène tout naturellement à cette question des compétences hein, à cultiver au service de votre valeur ajoutée. Et on a envie de partager cette phrase de Cédric Villani et qui elle date de 2020, mais vous allez voir, elle est toujours d'actualité. Pour assurer la complémentarité de l'humain avec l'IA, sont les compétences sociales, relationnelles et les compétences créatives qui doivent être développées. Alors, on va parler justement de ces compétences, Véronique. Oui, merci Gaëlle. Et d'ailleurs, dans un récent baromètre des métiers de la com de Subdecom, 88% des communicants interviewés estimaient que l'IA, justement, les obligeait à réinventer leur métier. Et nous avons identifié avec Gaëlle, en fait, 6 power skills qui nous semblent essentiels pour le marketing et la com. Les 4 premières, c'est dans la rubrique « Faire face aux menaces potentielles de l'IA ». Donc, on voit bien sûr la pensée critique, donc poser systématiquement la question à l'IA, en es-tu certain ? S'interroger soi-même par rapport aux différents biais qu'on a pu voir, vérifier les sources et challenger systématiquement les résultats. Donc, biais et largeur de vue. Éthique aussi et responsabilité. C'est vraiment très important sur les enjeux de transparence et d'authenticité. Et puis, la résilience. Donc, être résilient face à l'erreur, ne pas se satisfaire vraiment des premières réponses communiquées par l'IA.
accepter de recommencer, d'échouer et surtout de ne pas tout connaître par rapport à l'effervescence continue du marché et puis les annonces qu'on voit en permanence sur les changements de fonctionnalité des IA, leur gratuité, le côté payant. Et puis parmi les deux dernières en fait power skills que nous avons identifiées, c'est pour vraiment développer des compétences avec l'IA, c'est la curiosité et la créativité. Donc c'est vraiment être en veille permanente sur les outils. Et en créativité, Gaëlle en a parlé tout à l'heure aussi, mais pensez que c'est l'humain qui écrit le prompt. Donc, le champ d'exploration artistique et créatif n'en est qu'à ses débuts et il est essentiel d'éviter justement toute la banalisation des contenus qui peut arriver. Et en termes de posture, justement, Gaëlle ? Eh oui, et trois postures clés pour compléter. Bah, vraiment se former à travailler avec l'IA parce que au-delà du fait que c'est facile à prendre en main, bien travailler avec l'IA, elle n'est pas si intuitive que ça. Et si on veut rester le maître à bord, il faut vraiment accepter de se former. Et accepter de se former, c'est aussi très complémentaire du fait qu'on va être sur une boucle d'apprentissage continu et notamment beaucoup de partage avec ses pairs, on l'a déjà évoqué. Et puis pour terminer, nous on est convaincus que c'est une formidable opportunité de réinventer son métier en se posant cette question finalement, où est-ce que j'ai envie de développer ma valeur ajoutée ? Est-ce que c'est en termes de conseils, en termes de créativité, de vision stratégique, d'expertise ? Et rappelez-vous des 26 jours hein, qu'on évoquait, même si on n'y est pas tous encore, en début de présentation, la question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de ces 26 jours ? Alors, en synthèse, donc, anticiper 2025. Alors, pour répondre à cette question, c'est vraiment adopter une posture d'humilité parce que nous sommes qu'au début de l'IA générative, même si elle a un an, même si nous avons aujourd'hui un an et demi de recul et que nous pouvons voir déjà tous les bénéfices qu'elle apporte. En fait, l'IA générative bouscule vraiment les métiers du marketing et de la com en challengeant les pratiques. Il y a aussi les premiers retours d'expérience d'entreprise. On voit aussi de nouveaux usages en termes de connaissances et expériences clients. Donc, je pense que s'il y avait trois mots à retenir, ce serait vraiment analyse prédictive, hyper-personnalisation et automatisation. Ça, c'est vraiment les enjeux clés autour de l'IA. Et puis, émergent des nouveaux métiers. Donc, vous avez sûrement entendu parler du prompt engineer, du no-code maker ou du citizen developer. Alors là, on dépasse un petit peu le champ des marketeurs et des communicants. Mais sinon, plus particulièrement, j'ai vu même passer des annonces, là, des entreprises qui cherchaient des chargés de projet chatbot. Donc voilà, donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et puis, dans les rédactions presse également, il commence à y avoir des directions de l'IA ou en tout cas des experts de l'IA. Et je dirais qu'anticiper 2025, c'est pour les entreprises et les organisations non seulement une opportunité, mais je dirais aussi une nécessité absolue si elles aspirent vraiment à innover et à se distinguer dans le paysage 2024 et 2025. Et nous vous en avions parlé tout à l'heure. Il y a le vrai sujet aussi d'anticiper le paradoxe en fait de l'IA et de la RSE et d'adopter des pratiques responsables en fait et durables. En effet, d'un côté, nous avons l'IA avec ses super pouvoirs illimités, mais qui est énergivore, qui pose des questions juridiques et éthiques. Et l'objectif, c'est toujours faire plus. Et de l'autre côté, nous avons les limites planétaires, l'urgence environnementale et sociale, donc qui, elle, c'est faire moins et mieux, avec le concept de sobriété créative, les enjeux d'inclusion. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un doublement de la consommation des centres de données d'ici 2026. Donc, comment faut-il faire ? Et justement, nous avons commencé à réfléchir avec Gaëlle à quelques pistes ou conseils. Ouais, tout à fait. Alors la première, elle va pas vous étonner, hein. On l'a dit à plusieurs reprises. C'est vraiment penser usage et bénéfice avant de se lancer et pas se précipiter sur les IA dans une espèce de frénésie qu'on pourrait comprendre hein, et qu'on a eu aussi au demeurant. Être très transparent sur son utilisation de l'IA et notamment vis-à-vis de l'externe et des clients. Une piste complémentaire, il y a des outils d'IA qui aujourd'hui commencent à proposer de réduire l'empreinte carbone de vos actions de communication marketing.
On en cite quelques-uns. Il y a Green Story, EcoVeritas, Carbon Analytics, Carbon Trust, Sustainalytics. On vous incite vraiment aussi à aller regarder de ce côté-là parce qu'il y a des pistes utiles. Et plus largement, rester en veille des initiatives actuelles et à venir. Il y a le cadre réglementaire avec l'IAACT, il y a les initiatives du Plan France 2030, il y a le rapport IA for Green qui est en cours de rédaction. Il y a les recommandations de l'ONU qui concernent plutôt l'inclusion et la diversité, et celle de la CNIL qui date de tout début avril concernant la protection des données. Donc tout ça va aussi aider à poser cette question de comment je reste aussi responsable dans mon utilisation de l'IA. Et puis plus globalement, cette culture de l'innovation digitale un peu boostée par l'IA, elle ne doit pas faire oublier les questions d'éco-conception et d'éco-consommation. Pour terminer, pour laisser un petit peu de temps pour les questions, parce que je crois qu'il y en a beaucoup, pour aller plus loin, vous verrez sur cette slide et la suivante, et vous la retrouverez dans le replay et dans la synthèse qui vous sera envoyée un petit peu plus tard, une liste de stages à la fois en marketing et communication. À la fois sur des thèmes extrêmement précis comme optimiser son SEO avec l'intelligence artificielle, la question des droits d'auteur, la pensée critique, etc. Je vous laisse lire, on ne va pas détailler. Et nous vous proposons de passer aux questions. Alors j'en ai vu une justement qui je trouvais voilà avec un petit smiley aussi. Est-ce que votre présentation a été préparée avec l'IA ? Alors, je dirais que nous avons fait des ressources avec notamment l'outil Perplexity et Indy pour retrouver des études chiffrées, les dernières informations, parce que notamment Perplexity et Indy vont jusqu'à 2024, donc et donnent les sources en tout cas des résultats. Une autre question, Gaëlle, que tu veux ? Oui, alors il y a des questions sur le choix des IA. Il y en a eu plusieurs. Donc quelqu'un qui demandait si parmi la liste des outils, là je pense que la personne qui évoque ça pense au slide avec la liste des outils, est-il indiqué quels sont les outils gratuits? Alors l'immense majorité de ceux qu'on a mis sont gratuits ou en tout cas ont une partie freemium qui permet de faire plusieurs choses, de ne pas être bloqué immédiatement. Le warning que je vais mettre, c'est que c'est à aujourd'hui, ça peut changer dans 8 jours. Ou ça peut même changer demain. C'est vraiment la limite de ce que je vous dis, parce qu'on est sur un écosystème extrêmement mouvant. Et une entreprise peut décider, parce qu'elle a capté assez de clients, de passer l'intégralité en payant. La question parallèle pour les IA payantes, quelles sont celles les plus complètes, polyvalentes pour la fonction marketing ? Car multiplier les abonnements coûte cher. C'est pas facile de répondre à cette question, hélas. Dans les IA payantes, qu'est-ce que je recommanderais ? En fait, je ne peux pas répondre à cette question parce que tout dépend encore une fois de l'usage que vous en avez. On est très clair, vous ne pouvez pas multiplier les abonnements. Je pense, et moi je vais plutôt revenir pour répondre à cette question de façon un peu détournée, mais pour moi c'est vraiment un élément de réponse important. Pensez méthodo avant, finalement. De quoi avez-vous le plus besoin ? Parce que comme on ne peut pas multiplier les abonnements, il ne s'agit pas de dire je vais prendre une IA qui va me permettre d'analyser le bruit sur les réseaux sociaux, plus une autre qui va me permettre de générer des super images, plus une autre qui va me permettre de générer des vidéos. C'est de quoi j'ai vraiment fondamentalement le plus besoin. Et une fois que j'ai identifié mon besoin, je vais peut-être me concentrer d'abord sur une IA freemium qui peut me permettre déjà
de faire le job. Alors, je vois une question aussi. DSI et RSE ne bloquent-ils pas automatiquement les approches comme IA pour des raisons de sécurité, DSI et énergivore pour RSE? Alors, on peut voir, en fait, il y a des associations de communication et puis aussi de marketing qui commencent déjà à proposer des premiers retours d'expérience, des learning expéditions, où on voit comment, en fait, les métiers de la com et du marketing se sont organisés avec les DRH, les DSI et RSE pour justement lancer les initiatives en fait en interne. Et puis, comme l'indiquait Gaëlle aussi tout à l'heure, par rapport au, il existe des outils qui permettent aussi de commencer à mesurer ces actions de communication avec l'IA. Donc, je dirais que c'est pas automatique en fait ce blocage, et c'est toujours intéressant justement de travailler de pair avec les directions, ces deux directions. Il y avait une question qui était assez liée à ça sur la protection des données. Effectivement, quid de la protection des données en entreprise? C'est très clairement la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises, alors de taille plus importante, hein, mais c'est finalement pas si compliqué que ça hein, de le faire, choisissent de mettre à disposition des IA fermées. Typiquement. Bon, après, Copilot Pro permet ça aussi, hein, clairement. On n'a pas forcément tous envie d'utiliser Copilot Pro, mais c'est aussi la possibilité. Et je voudrais rebondir sur une question liée à la personnalisation, une question qui a été qui est assez pertinente. Quelqu'un qui nous dit je ne comprends pas comment l'IA peut générer un contenu plus personnalisé qu'un humain. En fait, l'IA peut nous permettre de repérer les préférences en termes de segmentation, et nous aider à faire du contenu plus personnalisé. Mais si, encore une fois, je prends ce contenu sans le retravailler, sans se dire est-ce que dans ce contenu-là, il y a l'ADN de ma marque, celui dont parlait Véronique, est-ce qu'il y a le wording qu'on emploie, est-ce qu'il y a vraiment ce qui fait notre spécificité, si on ne fait pas ce boulot-là, ça sera effectivement beaucoup moins personnalisé. Donc, pour répondre à votre question, à la base, ça peut nous aider à repérer les champs sur lesquels il faut personnaliser, mais c'est bien nous qui personnaliserons. Alors, encore peut-être une ou deux questions. Oui, je voyais justement hyper important de demander. Voilà. Je voyais aussi, alors là, c'était une affirmation, en effet, hyper important de demander à son IA, as-tu bien compris, après chaque demande. Cela permet d'affiner la recherche, d'avoir un résultat bien plus qualitatif. Et ça, voilà, ça nous en sommes convaincus. Gaëlle, tu voulais… Oui, une question parallèle. Dans quelle mesure et quel est le risque que l'IA recueille des informations de nos entreprises afin de les recracher pour son robot? Oui, pardon, j'avais coupé le son. Dans quelle mesure et quel est le risque que l'IA recueille des informations de nos entreprises et pour les recracher? Alors, si vous utilisez des IA ouvertes telles que ChatGPT 3.5, le risque, il est de 100%, clairement. Voilà. Et puis, n'oubliez pas le fameux adage, hein, si c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, clairement, il y a nécessité de mettre en place des chartes. Auprès des salariés. Et il faut le faire parce que Véronique parlait tout à l'heure du shadow. Vos salariés sont peut-être appropriés l'IA sans que vous l'imaginiez, sans que vous le voyez. Hein, donc là, la seule solution, c'est des IA fermées. Clairement. Et pour que l'IA soit fermée, il faut le paramétrer. Le risque, pour répondre à la question, c'est 100%. Et je voyais justement comment paramétrer l'IA pour garder l'ADN de la marque de façon pérenne, et est-ce qu'on peut l'alimenter avec une charte de langage dans ce cas? Donc en fait, si vous utilisez des IA gratuites, comme disait Gaëlle, toutes les données que vous allez lui donner vont alimenter la machine et vont devenir publiques. Donc surtout, avec des IA gratuites, anonymiser tous les contenus. En revanche, avec des IA qui seraient justement sécurisées, là, vous pouvez, en fait, à l'aide d'outils, réfléchir au storytelling de la marque. Vous pouvez, en fait, réfléchir à des scripts, travailler aussi des champs sémantiques. Je vous invite vraiment à tester. Je ne sais pas, vous êtes une entreprise de sport et vous voulez tester le champ sémantique du vélo. Et ça, en fait, différents outils vous le proposent. Donc, vraiment, vous pouvez
sur une ADN de marque, réfléchir tant à la stratégie que vraiment au storytelling et aux mots, enfin au langage vraiment qui est associé. Je vois une question. Pratico-pratique, les vidéos de qualité. Moi, mes experts me disent que l'Human 5 fait quand même bien le job. Je ne sais plus si l'Human 5 a une partie gratuite. Il me semble que oui. Bon, c'est vrai que la vidéo, ça reste encore un tout petit peu plus difficile, clairement. Et une question, mais dans ce cas, alors est-ce qu'on ne perd pas plus de temps à passer par l'IA qu'à faire le travail nous-mêmes, en fait, de zéro? Donc, en fait, se former à l'IA prend un petit peu de temps, mais l'investissement que vous allez faire va vraiment être payant en gain de temps et surtout pour que vous puissiez vous libérer vraiment de tâches que vous pouvez automatiser ou qui sont un peu, enfin vraiment sans valeur ajoutée, pour vous concentrer vraiment sur le fond de votre activité. Il y a eu une question pertinente hein, versus la RSE. Est-ce qu'il y a des impacts finalement positifs en termes de RSE à utiliser l'IA? Et s'il y en a, quels sont-ils? Je vais aussi associer Véronique, mais… C'est difficile de dire que oui. Hein. C'est difficile de dire que oui. Il y a eu il y a le rapport Eye for Green, en fait, qui est sorti. Des premiers chiffres, en fait, maintenant arrivent. Justement, il y aura une conférence ou plusieurs conférences sur ce sujet au prochain salon, au congrès du marketing et de la com. Une vraie thématique IARSE qui sera consacrée. Donc, on espère aussi, nous, en fait, pour l'instant, les données ne sont pas complètement fiables et c'est vraiment le challenge. Et je dirais, et de la sobriété numérique et aussi de tous les sujets liés à l'inclusion et à la diversité. Il y a une question qui peut concerner beaucoup de monde, donc je me permets de la relayer. Comment introduire l'IA dans une petite structure avec des personnes conservatrices qui pensent que c'est un effet de mode? Oui, qui pensent que c'est un effet de mode ou qu'on peut être d'autres freins que celui-ci. Mais celui-ci peut en être un vrai. Intuitivement, là, j'aurais envie de vous proposer de les acclimater avec des IA très simples et très génériques qui ne sont même pas forcément usage direct métier hein, pour montrer ce que ça peut aider à faire en termes de résumé, par exemple, pour montrer que ça peut être une première utilisation. C'est tout ce que permet de faire l'IA en termes de gain de temps. Je ne sais pas, par exemple, un exemple qui marche assez bien, hein, c'est me permettre de faire le résumé d'une vidéo YouTube qui est un petit peu longue, me permettre de faire ressortir les points clés d'un article qui fait 30 pages et que je n'ai pas envie de lire intégralement. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que parfois les 30 pages ne rentrent pas dans l'outil d'IA, mais ça le fait bien. Donc, moi, je vous proposerais plutôt ça, de commencer par ça. Et puis là, j'aurais aussi une logique qui est une logique finalement d'accompagnement du changement. Alors, je ne sais pas quelle est la taille de la petite structure. Hein. C'est de repérer dans cette petite structure si vous en avez au moins une personne, ne serait-ce qu'une, qui est un tout petit peu moins réticente et embarquer cette personne-là. Clairement. Et l'associer. Mais faites-le avec des IA faciles à utiliser et sur lequel il y a des gains de temps immédiats sur des actions du quotidien très simples. Et donc là, on ne s'amuse surtout pas à leur montrer des usages comme on l'évoquait sur des vidéos extrêmement complexes, parce que là, pour les raisons qu'on a évoquées tous ensemble, ça peut plutôt décourager. Je pourrais justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Gaëlle, ce qui pourrait faire un peu un effet waouh, justement, c'est de tester une IA de carte mentale. Par exemple, vous avez écrit, ou votre entreprise a écrit des articles sur son blog, vous mettez le lien dans un outil de carte mentale et vous allez voir qu'en même pas 15 secondes, vous allez avoir la carte mentale de l'article. Donc ça, en fait, ça fait partie aussi des effets waouh qui peuvent donner envie aux chefs d'entreprise réticents d'y aller. Puis j'avais une question.
Les formations que vous proposez nous forment-elles à formuler correctement nos demandes de création en fonction du support contenu désiré? Alors, je dirais que oui, en fait, nous sommes vraiment dans des formations métiers très concrètes, très pragmatiques. D'ailleurs, à l'issue de nos formations, nous mesurons l'utilité du stage, la transposition dans la vie réelle. Donc, nous avons des méthodes et outils en fonction des canaux et puis des formations plus dédiées au métier de la com ou du marketing. Oui, je dirais pour compléter que vraiment nos formations, elles sont là pour rendre vos équipes autonomes dans l'utilisation. Et on travaille beaucoup sur la qualité effectivement des requêtes. Je voyais d'ailleurs une très bonne remarque passée sur le fait de demander à l'IA, elle était très bonne, de demander à l'IA, es-tu sûr, il me semble. Oui. Je crois que c'était cette question. J'avais une question qui me demandait de rappeler les outils d'IA pour évaluer et réduire son empreinte carbone. Alors, je l'ai redit. EcoVeritas, Carbon Analytics, Carbon Trust, Green Story. Et puis, je rebondis. Je n'ai pas fait le test spécifiquement sur ces outils, mais utiliser justement le lien « There's an AI for that ». Qui doit certainement, si vous posez la question, réduire son empreinte carbone, vous proposer ces IA-là et d'autres qu'on n'aurait pas repérées. Hein. 12 294, vous imaginez bien qu'on les connaît pas toutes. Les questions de droit, est-ce que... Tu avais vu quelque chose? Ouais. Alors, je prends la toute dernière question. Quel conseil, enfin, toute dernière écrite dans mon chat à l'instant T. Hein. Quel conseil et recommandation donneriez-vous aux entreprises qui cherchent à maximiser les avantages de l'intelligence artificielle dans leur stratégie de marketing et de communication digitale? Moi, je vous conseille vraiment de fonctionner en task force. De vraiment, là, de faire, même en interne, un mini audit marketing com. Aujourd'hui, sur quoi on est efficace, sur quoi on n'est pas efficace et qu'est-ce qu'on expérimente. Hein. Je reviens à ça, mais moi, clairement, je ne vois pas d'autre manière. Hein. Clairement, c'est on le fait rapidement, task force hyper courte, on demande des retours d'expérience réguliers, on documente les cas d'usage, on documente les risques, on documente les coûts et on décide au bout de mes boucles courtes, hein, 2-3 mois, d'y aller et là ensuite d'aller mesurer du vrai ROI. Espérons avoir répondu à votre question. Et je voyais aussi des plusieurs questions sur les résumés, les cartes mentales. Donc vous avez chat PDF, vous avez Xmind, vous avez ChatMind. Et en fait, ces outils en fait vous seront communiqués sur le support en fait que vous pouvez télécharger en fait ensuite en ligne. Et puis j'avais un super conseil lecture. Alors un super conseil lecture, il y a aussi bien les livres des philosophes, des sociologues justement qui mettent en perspective l'IA générative et l'IA pour l'homme versus les organisations. Et puis sinon, c'est surtout des sites de veille. Oui, alors moi, je peux recommander un dont je suis particulièrement fan. C'est sur LinkedIn, la veille d'Emmanuel Vivier, qui produit alors presque toutes les semaines une newsletter AI qui est assez complète parce qu'elle explore tous les champs d'expérimentation. Alors, vous verrez d'ailleurs pas que marketing et com, mais quand même beaucoup, beaucoup. Et puis, elle est aussi très centrée sur les aspects, tous les aspects qu'on vient d'évoquer. Elle pose régulièrement les questions de RSE, de responsabilité, d'écologie, de coûts. Et donc, je l'apprécie tout particulièrement pour ça. Et je recommande d'ailleurs de ne pas être que lecture bibliographique parce qu'on l'a dit, on le redit, le sujet de l'IA évolue tellement vite. Qu'avoir une veille à minima hebdo sur ces sujets nous semble un minimum. Oui, et puis depuis que nous avons préparé le webinaire avec Gaëlle, il y a déjà 5 ou 6 études qui sont sorties. Donc c'est vrai qu'il y a une effervescence et puis
une grande diversité d'études qui sortent et vous avez en effet des sites spécialisés. En tout cas, c'est toujours important d'être curieux et de ne pas rester que sur un seul canal, mais vraiment de multiplier les canaux aussi pour comparer et tester. Et puis sur la RSE, vous avez également Novetic et puis le site de l'ADEME, vous savez, l'agence de transition, la transition écologique, qui publie aussi des données très intéressantes, notamment aussi sur les sujets de RSE. Je rappelle, le nom que j'ai cité sur LinkedIn, c'est Emmanuel Vivier, comme le Vivier, V-I-V-I-E-R. On check d'autres questions. On en a traité déjà beaucoup. J'en ai une là sur laquelle je reviens. L'IA me semble plus utile pour l'automatisation et la génération d'idées que la production pure de contenu. Je ne peux pas répondre aussi affirmativement que ça, clairement. Ça, encore une fois, ça dépend clairement de votre besoin. Et pour moi, elle est aussi efficace sur ces trois champs. Elle n'engendre pas les mêmes coûts, elle n'engendre pas le même investissement de temps. Et tout dépend vraiment de votre besoin. Clairement, si vous avez besoin pour votre présence sur le web, sur les médias sociaux, d'accélérer votre production de contenu, l'IA va vraiment pouvoir vous aider. Encore une fois, en restant en manette, bien évidemment. Mais clairement, ça va pouvoir beaucoup vous aider. L'automatisation, pour moi, effectivement, c'est clairement la next step. Et on va d'ailleurs très prochainement proposer un stage dédié à des processus d'automatisation les plus simples possibles avec des outils comme Make et Zapier. Alors, on fait signe, Gaëlle, que c'était la dernière question. En tout cas, nous avons été ravis avec Gaëlle de répondre à toutes vos questions et puis de vous présenter ce sujet sur lequel nous sommes très investis et engagés depuis déjà plus d'un an. Donc, merci à toutes et à tous. Je remets mon micro pour vous remercier également et vous dire à très bientôt et vous souhaiter dans l'immédiat un excellent appétit. Vous pouvez aller sur l'IA pour qu'elle vous propose des idées de déjeuner. Merci. À bientôt, au revoir. Merci Gaëlle.